Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et dans cette vidéo, je vais vous parler des glitches d'XP sur Fortnite saison 2 chapitre 3, parce que en réalité, on essaye de créer des glitches d'XP en mode créatif, comme ça, on aura des glitches exclusifs à vous présenter, des super bons glitches, vous tracassez pas, il y aura des glitches qui seront super rentables, que vous allez gagner des XP sans rien faire, super rapidement, super facilement, tout. Mais pour ce faire, en fait, on a besoin de votre aide, parce que pour obtenir des glitches d'XP, il va falloir trouver, enfin, il faut créer une map en mode créatif, mais il faut que l'XP soit accepté par Fortnite pour qu'on puisse débloquer l'XP sur la map. Alors pour ce faire, il faudrait que toutes les personnes, donc tout le monde, se connectent sur cette map. Donc la map, c'est le code de la map, c'est 83572980649, que je mettrai bien sûr en description, en commentaire épinglé. Donc vous allez sur cette map, vous jouez quelques minutes, hein. Je dis pas que vous devez passer votre journée dessus, mais en fait il y a une restriction pour débloquer de l'XP sur Fortnite, c'est apparemment il faut 1000 joueurs qui se connectent par jour. Donc si vous vous connectez tous par jour sur cette map, on va pouvoir débloquer l'XP sur la map super rapidement, et là ensuite on va pouvoir vous proposer des glitches exclusifs. Pas des glitches qui vont se patcher en 15 minutes, des glitches qui vont rester plus ou moins longtemps, tant qu'ils ne sont pas patchés. Mais là, le problème, c'est que moi, je prends des glitches à gauche, à droite. Le problème, c'est que nous, on crée des maps. Enfin, Johnny, c'est Johnny qui crée les maps, mais il n'arrive pas à débloquer l'XP. Donc, le problème, c'est que moi, je vous prends, je vous cherche des glitches sur Internet qui me semblent assez rentables. Ensuite, quand je vous les présente, ben, ils sont patchés super rapidement parce que il n'y a pas que moi qui le présente. Donc, il y a plusieurs mondes qui présentent le glitch. Donc ça se fait vite patcher. Fortnite, ils voient qu'il y a beaucoup de monde qui font le glitch en même temps. Donc ils trouvent ça suspect. Ou alors carrément, ils surveillent les youtubeurs qui font ça. Je ne sais pas, en tout cas, moi, ils ne me surveillent pas, je pense pas. Mais voilà, le problème, c'est que les glitches sont super vite patchés. Donc si vous arrivez à vous connecter, je vous demande juste de vous connecter une fois par jour sur cette map. Jouer 2-3 minutes juste pour être un peu actif sur la map. Et ensuite, ben, on pourra vous proposer des glitches d'XP. Bien entendu, j'ai mis des posts, j'ai mis un message dans les posts communautaires de ma chaîne YouTube où je propose plusieurs maps. Je vous ai proposé plusieurs maps, mais le problème, c'est que il n'y a personne qui va. Enfin, vous interagissez pas avec la map, donc les connexions de la map n'augmentent pas forcément, et Johnny n'arrive pas à débloquer l'XP. Donc j'espère que cette vidéo sera utile et que ça vous incitera à aider Johnny à avoir de l'XP sur ses maps pour qu'on puisse enfin débloquer de l'XP sur nos maps créatifs. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Je compte sur vous. Si ça marche, ben, tant mieux. Si ça marche pas, ben, tant pis, je vous demanderai plus. Mais voilà, franchement, là, je compte sur vous pour que vous vous connectez sur la map tous les jours pour qu'on puisse enfin débloquer de l'XP superchargé et qu'on puisse enfin créer nos propres glitches. Parce qu'en vrai, tout est déjà mis en place. Johnny, il a déjà créé plusieurs maps blindé de map avec des boutons secrets, des XP secrets, des XP qui tombent en illimité. Mais le problème, c'est que il n'y a pas assez de monde qui joue, donc Fortnite il accepte pas l'XP parce que il trouve que ça sert à rien. Tic-tac. Donc voilà, il faut absolument que vous connectez sur la map pour qu'on puisse réaliser ces glitches et qu'on puisse vous proposer des contenus nous-mêmes que nous on crée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo d'information aura un impact positif sur la map. J'espère sincèrement. Si ça ne marche pas, tant pis. Mais si ça marche, franchement, vous êtes les boss. Je vous fais confiance. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos et peut-être plus de glitches. Les glitches que nous, on va créer nous-mêmes. Ah, peut-être. C'est à vous de voir. Enfin, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de rébellion de Fortnite chapitre 3 saison 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.
make bruh, y'all make bruh.